Cette histoire vraiment m'a beaucoup fait rire. Mais je ferai mon effort pour garder mon sang-froid et vous la raconter. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que Dieu vous épargne de telles situations. Vous allez comprendre pourquoi. Où est la femme qui a le cœur? Il y a un jeune gars qui l'a mise enceinte. Il refuse de reconnaître. Il refuse de reconnaître que c'est lui qui l'a fait. Ah, comment ça? Un jeune gars. Vraiment, son affaire là, vous risquez de vous étonner. Mais écoutez l'histoire. Selon l'information que j'ai reçue, hein, elle dit que la maman, elle était tranquillement au quartier lorsque un jeune, je dis bien, un jeune homme est arrivé. Et quand le jeune homme l'a vu, ce jeune homme s'est mis à lui parler bien, à lui donner de belles paroles, les paroles mielleuses. Vous connaissez les galants. Un gars qui veut aller vers une go, il commence à mentir. Si elle est bleue, il lui dit elle est jaune. Si elle est violet, il lui dit elle est rouge. Il ment. Ouais, non. Et le gars, il arrive à la vieille mère. Et il commence à lui dire, vraiment, je te trouve très belle. Tu es vraiment très, 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 très belle. Vraiment, j'apprécie, t'apprécie beaucoup. Parce que toi, tu n'as pas changé la couleur de ton teint. Tu as préféré garder ton teint noir, naturel. Oh, vraiment. Vraiment, je te kiffe. Je te kiffe. S'il y avait un moyen que nous deux puissions être ensemble, oh, j'allais en profiter, j'allais vraiment accepter. Je serais l'homme le plus heureux. Quand elle a parlé ici, elle a dit que ça, c'est de la blague. Et le jeune est parti. Quand le jeune est parti, à un moment donné, elle s'est dit, mais ah, moi, avec l'âge que j'ai, voici un jeune gars qui me trouve belle. Vraiment, c'est assez compliqué. Et vous connaissez les femmes. Il suffit juste que vous leur dites des juste paroles comme ça. Leur cœur s'ouvre. Voici comment ces paroles ont commencé à travailler la vieille mère. Ça y est, la maman qui est là. Elle a commencé à travailler la vieille mère au point où elle a commencé à aimer le petit gars. Et le petit, il continue à son jeu. Il arrive là-bas, il dit que, regarde-moi là. Vois-moi, non seulement tu as gardé ton teint noir, mais en même temps, tu as un tas sapin. Tu es derrière, vraiment, oh, que je vois tout ça, vraiment. Et elle s'est dit, oh, tout de suite, il a mis du jus en elle. Elle a commencé à se voir belle. Elle a commencé à ne plus se voir âgée. Et elle lui a donné une opportunité. Cette opportunité, il a saisi et il a frappé là-bas. Vous comprenez? Ça, c'était la première fois. Et voici que les deux méthodes sont commencé à se fréquenter. Et le jeune gars, quand il arrive chez la femme et qu'il est prêt à entrer dans sa maison, il regarde à gauche, il regarde à droite pour voir s'il n'y a personne. Quand il se rend compte qu'il n'y a personne, il rentre. Quand il rentre, il va frapper là-bas. Et puis il ressort. Maintenant, un jour, la femme, elle se lève le matin et elle découvre un changement sur elle et elle dit, Hey! En tant que je suis enceinte, hein? Et voici comment elle va finir par découvrir que elle est tombée enceinte.
Et elle va maintenant appeler le jeune. Elle lui dit, oh, écoute, mon chéri, voici, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis tombée enceinte. Il dit quoi? Comment ça, t'es tombée enceinte? Toi, une vieille mère comme ça, comment tu peux tomber enceinte encore? Comme une femme qui a atteint la ménopause, peut-être tomber enceinte. Il parlait ici, ah, vraiment. Ces gens sont méchants. Il a commencé à lui utiliser ses paroles bidon. C'est ce que j'ai reçu comme information qu'il vous dit, il vous donne. Il dit, ah, mais toi, tu es une vieille mère, non? Comment c'est une vieille mère peut-être tombée enceinte? Là, tu peux arrêter la ménopause. Comment est-ce que tu peux tomber enceinte encore? Elle dit, mais ah, de quoi tu parles? Il dit, comment ça, de quoi je parle? Toi, une vieille mère comme ça, toi, une vieille mère âgée comme ça, comment est-ce que tu peux tomber enceinte d'un gars comme moi? Un gars jeune comme moi. Elle dit, mais aïe, de quoi tu es en train de quoi es-tu en train de me parler? Il dit, mais regarde-toi. Même pour entrer dans ta maison, je suis bien regardé à gauche et à droite pour voir si mes amis ne me voient pas avant d'entrer chez toi. Et puis, tu me dis que tu es enceinte. Faut pas que tu vas dire à mes amis que tu es enceinte de moi. Faut pas que tu vas dire à mes amis que tu es enceinte de moi. Hey, Seigneur. Il dit à la femme, faut pas que la femme va dire à ses amis. Quelle enceinte de lui. Maintenant, la femme, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait ça encore? Et le jeune lui demande de faire un avortement parce que lui n'est pas prêt à accepter l'enfant. La femme dit, vraiment, c'est compliqué. Elle dit que ça fait trop longtemps qu'elle a mis le mot de l'enfant. Et elle attendait un enfant depuis très longtemps. Ça, c'est comme une bénédiction qu'elle reçoit de la part de Dieu. Elle dit qu'elle refuse d'enlever l'enfant là. Elle dit qu'elle va garder l'enfant jusqu'à l'accoucher. Voici comment elle a fait une vidéo qui est parue sur le réseau ici, où elle demande aux gens de l'aider. De l'aider. Waouh! Cette histoire fait un peu rire, mais nous comprenons comment vraiment une femme peut facilement être séduite, quoi. On peut facilement séduire une femme de... Même l'âge, mais ça n'était plus rien. Il suffit juste que je lui dis juste des petits mots, ça m'emmène, mène. C'est fini. C'est compliqué, hein. Ah, vraiment. Et elle y avait cru. Elle avait cru. Elle avait cru. Elle avait cru à ce que tout ce, elle avait cru à tout ce que ce jeune homme lui disait. C'est pourquoi elle a ouvert sa porte. Et voici le résultat. Qu'est-ce que moi j'ai à donner comme conseil à la maman? Tiens, ça c'est ma grand-mère. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je n'ai rien à lui dire. Si vous avez quelque chose à lui dire, regardez ça en commentaire sinon moi, je dis là, je n'ai rien à lui dire. Je n'ai rien à dire. Si il n'y a rien à dire, elle vous dit, il n'y a rien à dire, non? Ou bien de vous mentir. Ok, ça vous de réagir en commentaire. Parce que moi, vraiment, quand j'entends encore cette histoire, ça me fait beaucoup rire. Ah! Donc lui, le jeune, il allait coucher à elle en pensant que elle atteint déjà la ménopause. Donc lui, il croit à cette affaire de ménopause. Et lui, donne-lui quoi vraiment? Restez là.
Ce sont les blancs qui vous blaguent. Pensez à ménopause. Il n'y a plus de ménopause ici. Mais si la femme elle a 99 ans, comme la femme d'Abraham, Sarah, elle va mettre au moins un enfant. Si tu fais errer, errer, balai. Vraiment, c'est grave. Ok.